Alors, la boîte à roue, en fait, c'est une rencontre mensuelle entre pour les développeurs de jeux vidéo, mais pas que. On est vraiment ouvert à. Enfin, c'est assez inclusif, en fait, comme rencontre, dans le sens où on accepte aussi beaucoup les étudiants, les hobbyistes, n'importe quelle personne qui veut essayer de découvrir, en fait, comment est-ce qu'on fait un jeu vidéo, qui ont un jeu à proposer. On se rendait compte que l'esthétique des jeux vidéo influençait les courts-métrages d'animation. On voyait vraiment qu'il y avait de plus en plus de parallèles et de plus en plus d'interpénétration entre les deux mondes. Et nous, dans l'équipe d'Anima, il n'y a personne qui est spécialiste de l'industrie du jeu vidéo. Et on avait envie de rentrer dans ce monde-là, mais de façon soft et qui corresponde à l'image du festival. Quand on nous a proposé de collaborer avec la Brotte à Roues, qui est un événement très convivial, assez festif, avec des développeurs indépendants, un côté artistique, beaucoup d'interactions entre les personnes, on s'est dit bah ça c'est le format qui correspond au festival. Et on avait envie de faire une place à ce genre de nouveaux médias. On ouvre un espace, on met des tables à disposition pour les gens qui ont un portable, qui veulent montrer un projet. Les gens se mélangent, parlent, network, boivent un petit verre, font un feedback justement sur les produits, les jeux qui sont développés. Souvent, c'est en faisant des collaborations comme ça dans des milieux artistiques assez opposés qu'on a des très beaux projets en fait qui aboutissent. À travers la Brotte à Roues, on fait aussi une conférence sur l'animation 2D dans le jeu vidéo. Quel est le workflow à mettre en place? Quelles sont les techniques à utiliser? Quelles sont les spécificités en fait qu'on rencontre en travaillant sur un jeu vidéo dans l'animation 2D en fait? On ne travaille pas de la même manière, on n'a pas les mêmes attentes en fait par rapport à ce qu'on va produire et la manière dont ça va être utilisé aussi pour le jeu en fait.